Bonjour tout le monde. Bonjour, je m'appelle Martin Clavet-Bédard pour la Florida, le podcast en compagnie de Carl Samson. Bonjour Carl. Hello, Martin. Carl, je, à chaque semaine, euh, chez Richards Motel Family of Lodgings, le vendredi soir, on se fait les 5 assiettes. Il y a un chanteur, une chanteuse, euh, les gens participent. Une centaine de personnes qui sont là. Puis je te dirais qu'en moyenne, 30 des gens qui sont là écoutent le podcast, mais ce sont déjà des clients de longue date de Richards. Mais là, les gens accrochent par le bras et disent hey, écoute, là, faudrait « Écoute, il faudrait peut-être que vous parliez de telle chose, de telle place, de tel sujet. » C'est le fun de se faire arrêter. C'est le fun de se faire, de se, de se faire parler Mais du c podcast. c'est un début. C'est ben, très on, le fun. On, nous autres, on commence. Ouais. Mais moi, moi... je ne suis pas avec un pad de notes tout le temps là, en train de prendre des de là. Les non. gens parlent de ci, parlent de ça. La meilleure chose, c'est d'aller sur La Floride, le podcast, sur la page Facebook et de nous envoyer les idées. Là, rapidement, moi, ce que je fais avec « Votre idée », je fais un print screen et je l'envoie à Carl, et Carl fait des recherches. Et il vit ici, Carl. Exact. Alors, c'est la meilleure façon plutôt que de. Vous pouvez nous le dire, ça, ça nous fait toujours plaisir. Tu me donnes du travail. Ah, je te donne du travail, mais en même temps, c'est. C'est toi qui es en contact directement avec, ah oui. avec les gens, avec, avec, la, les avec la business familiale, les Québécois, exact. tout ça. Puis, puis je l'apprécie quand tu, tu me donnes un feedback là-dessus parce que j'ai malheureusement ce que j'habite quoi que ce soit j'ai pas ce contact là ouais. autre que les gens qui décident de m'écrire ou viennent de me chercher via Facebook Instagram perso. ou, ou euh, perso perso euh, mm. Twitter moi je travaille beaucoup sur X, X ouais. euh, fait que je travaille sur X aussi euh, vous pouvez me suivre c'est Carl Sanson S A N S O N okay. Dans le, sur mon X c'est pas avec un M c'est avec un N même si mon nom, nom. ça s'écrit qu'un m, m mais c'est mon nom okay. sur euh, ouais. sur X ouais. j'adore X c'est pas oui. tout le monde, mais j'en ai parlé. Moi, j'adore X. Ben, les nouvelles, c'est maintenant, là. Oui, ben, c'est ça. C'est là que ça se passe. Tu as des scoops tout de suite. C'est pour ça que j'adore euh, J'adore ça, j'aime ça que tu aies un contact avec, avec le public comme ça que tu aies un feedback parce oui. que ça va nous donner, ça va nous donner, nous autres. Un, ça nous encourage. Oui. Première chose. Parce qu'on est parti, cette idée-là, avec euh, OK, on part-tu dans. On fait-tu de la bonne chose? On fait-tu oui. le bon geste? Oui. Euh, euh, parce qu'on est toi et moi ouais. bon, des gens très humbles et simples, on tout se prend pas fait. bord d'autres, n'importe quoi, on est authentique tous les deux, c'est pour ça qu'on s'entend bien. Oui, absolument. absolument. Pis, on est vrai. Ben on essaye. En tout ouais. cas, moi, euh, moi, moi, j'ai toujours été le même d'envie. Mm. Puis c'est parfait comme ça. Ouais. Mais d'avoir le contact, moi, c'est le contact humain ouais. avec, avec les gens qui te donnent un feedback, qui apprécient, qui donnent des suggestions. Ouais n'est pas des suggestions de cabochon Non, c'est des vraies bonnes non, suggestions. Très bon, très bon. On les prend, on ouais. trie là-dedans, ouais. puis on craft notre tête un petit peu là-dedans pour arriver au cas c'est que je vais parler de la prochaine épisode. Puis c'est quoi qui pourrait vraiment intéresser les gens quand ils viennent ici euh, J'ai beaucoup de choses. Des fois, je suis arrivé avec des sujets ou n'importe quoi, puis des gens qui m'ont écrit. J'ai été surpris de voir que les gens ne connaissaient pas telle place ou ne connaissaient ouais. pas telle habitude ben ou telle non, affaire. Non. Ça m'a surpris parce que moi, je suis dans le bain. Comme ouais. tu dis, il fait 20 ans, que je suis ici, ouais. mais je viens ici de, à cause de mon père, ma, mon père, ma mère et ma tante Gisèle. Ouais. Depuis, je suis tique parce que les deux ouais. ont acheté des condos. J'étais très jeune. Ouais. Puis euh, j'ai été élevé là-dedans. Fait que y a des choses que je ne vois plus, moi. Ouais. Tu fait qu'à un moment donné, se faire cogner. Puis dit « Hey, on aimerait ça, que tu nous parlerais plus de ça, ou tu nous as parlé d'un tel restaurant, c'est quoi dans encore C'est quoi l'équivalent? Si-tu correct si je vois là, euh, euh, bam boum, boum tu sais. Fait que moi là, je suis ouvert à toutes les suggestions. Euh, si c'est des choses qui ne m'intéressent pas, ou je ne crois pas qu'il est important de le dire, je ne le mettrai pas, mais je te dirais, à trois quarts du temps, on va en parler. Mais tu es l'antipode de ce que les Québécois font. Les Québécois viennent chez nous ou s'en vont à Aztec ou s'en vont dans les parcs. Et ils vont aller seulement aux endroits qui vont être référés par les gens qui sont autour d'eux. Exact. Toi, tu arrives comme quelqu'un qui a voyagé à travers le monde. Les parcs de maisons mobiles, tout ça. Là, exact. Puis et, et ils se parlent tous, puis ils vont tous. Maintenant, vont ils, tout ont un ils vont tous au même On restaurant. Ils vont tous au même restaurant. Et ils vont deux, trois fois dans la semaine. À, ouais. Au lieu d'essayer des choses nouvelles. Ouais, et toi, dans le podcast La Florida 2.0, c'est le contraire. Tu as la perception de quelqu'un qui a voyagé à travers le monde, soixantaine de pays, même plus, et que tu arrives ici depuis une vingtaine d'années et tu essaies des choses complètement différentes de ce que les gens qui sont dans les parcs font. Exact. Mais j'essaie de donner des suggestions, d'éduquer aux gens, puis surtout de Oser, hein? oser puis aller essayer d'autres ouais. choses que votre, votre trail régulière. Ouais. Aller essayer, puis euh, je vous le dis, puis je l'ai dit, je donne des cotes, le fun. Mm -hmm. Des fois, ce genre de restaurant, mes coups de cœur, tout ça, moi, personnel. Et souvent, quand je vous envoie des endroits, je vais vous parler du prix. Parce qu'il ouais. y en a souvent et que le taux de change à 35 30, entre 30 et 38 ouais. Euh, je vais vous donner le coup de cœur si vous n'avez pour votre argent, si c'est très cher ou c'est pas pire. Okay. Je, 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 puis je me trompe, tu de... es allé au moins deux fois dans ce restaurant-là avant de nous faire une cote. Toujours. Ok. Toujours. Moi, c'est des, bon. des choses régulières. Donc, il n'y a pas d'hasard, hasard là. Il n'y a, a pas, pas d'hasard, Puis j'enverrai pas des gens à des endroits que j'ai jamais été, puis je ne donnerai pas une appréciation d'un restaurant que j'ai pas été non plus. Je vais le dire. Ouais. Oui, chez sais mais je ai jamais été. Hum. J'agis comme exactement le concierge de l'hôtel qui connaît tous les bons petits spots puis qui va donner toute une petite saveur personnelle dedans avec un petit rating. Si vous aimez tel genre de, de, de bouffe, boum, boum, boum. Tu te rappelles, j'ai dit que si vous allez à South Beach, oui. vous allez à la plage, oui. vous devez aller manger Joe's Crab. Ça, c'est. Okay. C'est depuis euh, 1932 euh, ou 1937. Puis tout le monde aux États-Unis connaît la place. Oui. Okay. Vous, en tout cas, vous devez, ceux qui aiment les fruits de mer, le, le crabe et tout ça, vous devez aller là. C'est un incontournable. Okay. Ceux qui aiment ce bouffe-là, moi, je n'aime pas ça. Non. Je dis d'y aller, oh, mais oui. moi, je n'en mange pas de crabe et je oh. ne mange pas de homard. Ouais. Ma femme mange du homard, mais elle ne mange pas de crabe. Mm -hmm. fait que, mais, mais je vous le dis parce que tout le monde, mes amis locaux, mes amis de Fort Lauderdale, ils vont régulièrement de là. Exact. Tu nous avais parlé d'un festival de fruits de mer aussi dans les, oui. les Keys. les Le festival ordinateur. de fruits de mer, tout ça dans les Keys. Mm -hmm. euh, les activités là, il y en a Martin là, il y en a ici en Floride là, c'est c'est débile. Des beaux shows, des air shows. Euh... Je vais t'arriver avec je vais t'arriver avec une coupe, coupe, coupe d'activités, mm -hmm. puis je vais t'arriver avec un scoop. Un scoop, un scoop. Quand qu'on est premier. arrivé Quand qu'on est arrivé de de, je t'ai dit, euh, hey Martin, quand t'as pris la US One avant de virer Sunrise, ouais. as-tu ah. vu la nouvelle arena des Panthers? Moi, dis, je, je t'ai me... répondu non. Tu me, tu me dis non? Mais tu je me... sais qu'il y a une nouvelle arena, puis je pensais que c'était juste à côté de l'arena où les, les games sont, c'est-à-dire des oui, euh... Panthers. Oui, exactement. Un, pas loin du Sawgrass Mills, oui, qui est oui, là. Oui. Fait que je t'ai dit non, c'est le centre d'entraînement que Deux oh. Glaces, c'est le centre d'entraînement qui a été inauguré. Euh, les Panthers ont commencé euh, genre à la mi-décembre, mais ils ont été inaugurés au public genre le 20 mars. Okay. Donc les vrai. gens peuvent y vrai. aller. Ça veut dire que les glaces sont ouvertes. Il y a du temps de glace pour les autres, pour le même patiner puis d'autres oh, équipes y oui. aller. Absolument. Mais c'est le centre d'entraînement des Panthers qui est rendu Downtown Fort Lauderdale. Ça s'appelle aussi que le War Memorial Arena. Mais le War Memorial, c'est au coin de Sunrise et de la US One. Oui. C'est Holiday Park que oui. j'ai parlé, oui. parc de chiens. Oui. Mais c'est un parc qui a plusieurs terrains de football plusieurs terrains de baseball, okay. plusieurs terrains de tennis, wow. plusieurs terrains de racquetball extérieur, oui. plusieurs terrains de pickleball, oui. une popular. grande traque de euh, faire du jogging. Il y a tout Holiday Park. Fait que quand j'ai appris que les Panthers avaient réussi à avoir un entente d'avoir leur aréna de pratique là, j'ai fait « Oh my God! » Parce que, on s'entend, il y a plusieurs joueurs des Panthers. Oui. Qui habitent dans les Isles ici, oui. puis dans le town de Fort Lauderdale. Quand qu ils vont à l'arena pour la partie, c'est quand même en auto entre 30 et 40 minutes. Oui. Dépendant du trafic, peut prendre même 45 minutes. Plein ouest. C'est ça. Fait... Mais là, quand j'ai su que l'arena de pratique était là, mais j'ai dit un gars qui signe pour les Panthers de la Floride. En plus, ils ont un club extraordinaire. Absolument, L'année absolument. passée, ils ont fait une performance extraordinaire. Je ne sais pas jusqu'où ils vont se rendre cette année, mais ils ont une saison extraordinaire. Mm -hmm. On a au moins ça. Oui. c'est un très bon club. C'est le club. Mais l'aréna de pratique est rendu… Fait que l'aréna de pratique est rendu dans le temps de Fort Lauderdale. Fait que le joueur qui est signé pour les Panthers de la Floride, ouais. il ne veut plus jamais partir de la Floride. Lui. Ben, premièrement, il va probablement veut plus aller aller partir à... de Fort Il va manger. Dans les restaurants de Lasolas en carte de golf. Oui, il va en, ba en babouche. En babouche. Exactement ça. Que lui, à côté, là. fait que lui là moi je peux comprendre puis j'ai rien contre le jeune n'importe quoi je peux comprendre que Huberdeau a fait euh, une baisse de performance puis a probablement fait une petite dépression euh, mentale à en Calgary. plus quand il s'est fait échanger à Calgary <laughs> dans la vieille aréna de Calgary c'est comme si c'était la vieille arena du Colisée de Québec ouais, c'est épouvantable c'est encore ça aujourd'hui oh oui. fait que c'est euh, hey, le gars part comment que le gars il dira oh, non non la vie va est belle tout ça excuse-moi là tu pars du Sunshine State il allait manger au café Europa au repas, en mm -hmm. golf cart puis en babouche, mm -hmm. mais le centre d'entraînement était quand même plus loin. Il fallait qu'il prenne son bolide puis qu'il arrive à le bolide. Là, ouais. il peut prendre. Son... Springs, je pense, c'était à côté. Exact. Mm -hmm. ouais. Fait que là, il, il peut prendre son, son golf cart, ouais. parquer ça dans le stationnement. Ouleddy Park, qui est le War Memorial Arena, ouais, là, qui est ouais. probablement avec le golf cart, genre à cinq minutes de golf cart de chez eux. Ça Le est... jeune, il peut aller pratiquer, puis les Panthers peuvent revenir à la maison après. Je m'excuse, là. Puis là, il part de ça, là. Puis dans le cas du Birdo, puis il s'en va à Calgary, il, de... il change sa braquette d'impôt, puis la neige, ah puis la arrête. Slush, arrête là, je veux dire, c'est. Après ça, on se demandera pourquoi une équipe canadienne ne a... Ne pourra jamais regagner ouais. la Coupe Stanley. Ouais. Même si Edmonton a une bonne équipe, même si Vancouver a une excellente équipe. Mmh. Euh, Surprenamment, Stanley. Oui, ouais, mais c'est ça. Mais c'est parce qu'ils ont été dans le fond pendant disant À un moment donné, il faut ouais. qu'ils repêchent comme il faut. Mmh. Eux autres réussissent à bien repêcher. Les Canadiens ont toujours de la misère. Mais Ils ça, on ne rentre, rentrera pas là-dedans. Rentre là la nouvelle gang du Canadien semble, semble dans une nouvelle direction. Ouais. Pas pire, mais, mais c'est toujours le taux de change. C'est là que je veux en venir. C'est ouais. que les jeunes, je veux dire, à offre égale, même un petit peu moins. N'importe qui va venir jouer pour le Lightning, le Tampa Bay ou les Panthers de la Floride avant. As un, un tu n'as pas, pas de taxes dans l'État de la Floride, on l'a expliqué. Tu n'as pas de taxes, là. Non. Dans l'État. T'en as fédéral. Euh, attends un petit peu. L'impôt, pas les taxes. L'impôt, c'est ça. Taxe quand je parle, il y a taxe, je parle de taxes, je parle de l'impôt. Ouais, mon frère parle aussi toujours à chaque de fois qu'il parle de taxes. c'est des taxes, ici. <laughs> c'est des taxes. Donc, ouais. donc lui, euh, son coût de la vie, puis tout ça, il garde. OK? C'est sûr que c'est extrêmement dur. Qui décide? C'est pas toujours seulement joueur de hockey. C'est pas non plus l'agent. L'agent essaie de démontrer les chiffres. C'est souvent la madame qui décide. Oui, il y a ça aussi. Et la madame, ça a le choix entre Calgary... Et a le choix ici entre euh, oui. le, 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 la Floride. Maintenant que l'aréna de pratique est collée sur la Quand il y a une madame dans le décor. Quand il n'y a pas de madame au début, il est repêchant les nationales, il est content, il joue dans le club, il tolère. Quand il est rendu, que ça fait 4, 5, 6 ans, puis que le gars, il a des offres égales, puis il se fait offrir des endroits où il y a plus de soleil, jouer à Dallas... Mm. Euh, euh, jouer à Los Angeles jouer à San Jose ouais. on peut on peut toutes les nommer ouais. je veux ouais. dire, euh, jouer à Raleigh en Caroline du Nord ouais. Raleigh une su... Raleigh c'est une super belle ville ouais. c'est une super belle ville tout le monde doutait de ça mais je veux dire c'est 100 fois mieux que Hartford Connecticut tout ce qui est là d'avant les, les Willers d'Hartford oui. fait, fait que juste ici oui. de marche d'ici où ce qui est le studio c'est dix minutes maximum oui. mm -hmm. on est rendu à l'Arena. Euh, c'est le fun d'avoir voir ça que c'est downtown Fort Lauderdale puis les gens qui viennent manger tout ça si vous voyez des joueurs de hockey soyez si pas surpris euh, J'ai été me faire couper les cheveux aujourd'hui OK puis euh, c'est euh, euh, mon coiffeur s'appelle Andrea c'est un italien puis il me dit j'ai trois joueurs des Dolphins des euh, excuse des Panthers, Panthers qui viennent euh, dont euh, Braboski. Ok, Bobrovski. Bobrovski, excuse-moi, Bobrovski, oui. le, le, le goaler qui est son client. Oui. Qui est son client, fait couper les cheveux, tout ça. fait, il fait 10 que... millions, d'après moi, il se peint une bonne coupe. Oui, il n'y a pas de trouble, ah, mais il millions, fait un job il... aussi. Ah oui. Ah, okay. Il fait un job pas pire aussi. Fait ah. que, en tout cas, bonne chance aux Panthers cette année. Oui. Du moins, on va avoir des bonnes playoffs. Puis, que je vais aller voir minimum un match, possiblement deux dans les, dans les playoffs. Il y a quand même des billets euh, raisonnables. Ouais. Euh, on va appeler ça le des rouges raisonnable. en bas. Là. Le billet raisonnable. La consommation, c'est une autre affaire. Oui, wow, mais ça, c'est <laughs> <chose. rire> partout, c'est partout. C'est partout. 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 Euh, je vous dirais entre 180 et 250 un billet de loge admettons, okay. en haut Pendant un playoff. Fait que ça a de l'allure. La, le tailgate était cœur, hein? Comme j'ai dit, vous devez arriver au moins une heure d'avance. Ouais. Fait manger l'autre bord de la rue. Euh, fait manger au bar de rue, y a un paquet de restaurants. Là, tu euh, parles du Sawgrass Meals. Sawgrass Mills. Et là, si tu stationnes là, là c'est toléré. C'est toléré. Mais je vous dis tout de suite, moi, je suis allé euh, dernière game contre le Canadien de Montréal ici. C'était 45 le stationnement. L'autre bord. Fait que t'es bien mieux d'aller au Saugras Mills, oui. euh, va manger au restaurant, le Cheesecake Factory. Cheesecake Factory, euh, beau bon, bon, pas cher, puis il oui. y en a plein d'autres alentours euh, dans le, le Food Court mm. qui est dans ce coin-là. Puis oui. euh, vous marchez, ça vous prend 7 pas long. minutes pour traverser. Puis il y a de la police, traverser la rue, c'est facile. Puis euh, tout est correct, Dans les tout games, est bien il y a tout organisé. le temps de la police qui temps, assure temps, tout une tout sécurité. Temps. Fait qu'il n'y a aucun danger de stationner l'autre bord. Les consommations, je te disais que c'est assez cher deux bières, deux verres de vin, 93 avec le type. Ouais, mais c'est ça. Mais Et là, je me suis posé la question, comment c'est cher partout, dans tous les amphithéâtres. Là. Mais je me retourne de bord à 360 degrés et tout le monde a une pizza dans les mains. Ou prend une bière ou prend quelque chose. Quelque part, c'est l'offre et la demande. C'est le parti ici. Oui. Ah, oui. Y, 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 ah, oui. Money no object, puis ah, le parti oui. ici. Le monde dépensait une coupe de sang pour en bouffe, pour être là, prendre prendre la bière, tout ça consommer ici. Les gens sont habitués à ça. Oui, les, les gens ont de l'argent puis les gens consomment, puis c'est un billet pour aller à la game, ouais. eux autres, ça ne dérange pas de, 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 de dépenser, on tombe d'un autre ball game. Exactement. On n'est pas, pas, pas au Québec ici. J'ai... Euh, quand que je parle de l'aréna qui est dans le temps de Fort Lauderdale, ouais. ça fait un petit bout que je ne vous ai pas donné un podcast d'appréciation parce que j'arrive de la Solace. Okay. J'ai passé l'après-midi sur la Solace, okay. avant de venir te voir, avant okay. de commencer le podcast. Okay. Puis, euh, tu sais, je t'avais parlé, mon Tommy Bama. oui. Le, le magasin Tommy Bama et euh, le, le bar-restaurant qui est à côté. J'ai dit que c'était un petit secret gardé qu'il y avait euh, à Danios Point. Dania Point, oui. Ben, il y en a un sur la solace. Ah, les deux colonnes. Ils ont remplacé sur... okay. la bijouterie qui est en bas. Mm -hmm. Il y avait une méga bijouterie. Okay. Le monsieur est décédé de la bijouterie il à peu près 6-7 ans. Et ils ont remplacé dans le bas de la bâtisse par un Tommy Bahama. Donc, tu as le magasin. Oui. Puis, sur le coin, ça s'appelle le bar, le Merlin, le Merlin Bar and Restaurant. Okay. Donc, si tu achètes de quoi avant ou après, ou tu as un coupon au rabais, si tu vas manger au restaurant, il te donne un coupon de 15-20% pour aller acheter du linge à côté. Mais allez voir ça, là. Le bar, le restaurant, c'est super beau. Les fenêtres, c'est style Tommy Bama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de restaurant à l'intérieur. Okay. Ça veut dire que tout le coin de la bâtisse, c'est tout à air ouvert. Okay. Donc, si tu manges en dedans, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. C'est pas comme, même pas comme des portes de garage ou des, des, des portes patio qui se rouvrent. C'est ouvert. C'est comme tout à air ouvert, tout le coin. Okay. C'est super beau. Okay. La bouffe est bonne. Quel okay. es, Rapport qualité-prix. Okay. Quand les gens, vous allez sur la au l'as, puis vous allez dîner ou si vous pouvez prendre une chose, là. je vous le dis, là, c'est bon, 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 bon. C'est wow. vraiment un un beau concept, euh, un beau brand. Tommy Bahama est un brand, à un moment donné, pour les plus vieux. Ceux-là qui aimaient chasser pêche un peu. Okay. Puis des restaurants, des pas des restaurants, du linge. Tommy Bahama, moi j'appelle ça du linge de bonhomme dans le temps. Okay. Mais le linge de bonhomme, c'est bien recyclé. Okay. Ils ont euh, rajeuni leur brand. Puis justement, l'histoire de bar-restaurant de Merlinx, avec le concept, on dirait qu'ils ont rajeuni leur brand de 30 ans d'un coup avec ça. Wow. Fait que wow. c'est ça que j'aime. Puis le linge, ils ont fait pareil. Ils ont encore leur linge pour le monde un petit peu plus vieux, les okay. boomers. Ouais. Ils ont le linge pour une gamme plus jeune aussi. Okay. Qui mixe bien avec ça. Okay. Fait que, tu sais, avant, moi, j'aurais jamais acheté de morceau de linge Tommy Bama, puis je me sentais plus jeune. Okay. Euh, Aujourd'hui, leur ligne plus jeune, je trouve qu'elle me va bien. OK. Fait que, Surtout avec un 15 ou 20 de rabais. Oui, bien, c'est ça. Si tu manges là puis tu as ton 15-20 bien, un Québécois va manger la moitié de taux de change, mettons avec ça. Okay. Bon, on va sauver une partie des taxes whatever, oui, la taxe absolument. locale qui est de Mais tu étais allé à Digne point, point. Oui. Et là tu viens d'aller voir c'est le même concept, même le même c'est exactement le même concept mais il est plus gros. Plus il gros. est plus gros ici. Okay. Il est, je vous dirais, il est tabarnak, j'ai une demi-fois plus gros ici. OK. C'est gros là. Wow. C'est gros, c'est sur la Solace, c'est facile de stationner sur la Solace. Oui. J'ai jamais eu de problème, moi. C'est facile quand vous arrivez. Quand vous arrivez en arrière des bâtisses, il y a du stationnement. Vous avez la solace, la main, mais tout en arrière des bâtisses, il y a du stationnement public. Avec des grosses lumières. Oui, pas puis ils avaient le app de parking, vous marquez le numéro, puis vous mettez de l'argent là-dessus. Il tolère jusqu'à 3-4 heures pour être stationné. Fait que ça va, ça va super bien. C'est ça que je viens de faire personnellement. Si vous continuez sous la solace, il y a un besoin de dire Ouais, car vous sais que je vais manger sous la solace Hier, à... pas loin de la solace, je vais aller un petit peu plus au nord. J'ai été manger le taco craft hier avec ma femme. Ah, tu l'avais dit. Je l'avais dit que j'irais. mangé. Tu, tu l'avais dit, que tu irais, mais je pensais que c'était ce soir. <laughs> non, c'est hier. OK. C'était Taco Tuesdays. Okay. Que là, ça veut dire quoi Taco Tuesdays? Ouais. Commencez, c'est le meilleur taco au monde. Ouais. C'est là que ça se pose. Okay. Taco Tuesdays, c'était les tacos à 4$ le mardi. À 4$. 4$ du taco. OK. Les tacos, là crispy chicken taco, uh, Korean barbecue taco, okay. uh, uh, short rib tacos, uh, fish tacos, je vous le dis les tacos là, les... tout le monde va prendre une photo de son assiette quand les tacos sont servis à plaque de bois au nombre de tacos que vous prenez. Les margaritas sont à 7 dollars avec du premium well de margarita dont les top brands de tequila. Tout est à 7 dollars, les tacos le mardi sont tous à 4 Donc, moi, hier, on a commandé, moi et ma femme, on a commandé 4 tacos. Elle, elle n'a pris juste un. Elle, elle avait un appétit 3. de moineau hier. Ouais. Moi, j'en ai mangé 3 puis j'en ai recommandé oh. deux autres après. Parce hey, que ben, c'est pas des super gros tacos. Non, non je comprends. Mais c'est quand même, j'avais faim hier. Okay. J'avais faim hier. On a fini quasiment à 8 heures. Je oh, que oui, j pas ça. mangé depuis genre midi et demi. Ouais. j'avais une faim de loup un peu. Okay. Fait que je me suis pris deux drinks. J'ai mangé des tacos, tout ça. Puis, je te le dis, là, quel prix prix et de l'ambiance, un DJ, un soir. Right. Puis il y avait un gars avec une trompette okay. qui jouait de la trompette à travers les tables, tout ça. Des belles madames, des beaux messieurs. Une... Tu sais, quand tu vas au restaurant, puis tu en Floride, puis il fait beau, puis les fenêtres sont toutes ouvertes, les oui. portes coulissantes aussi. Ils ont une super hein. belle patio, il y a un beau rest... y a, y a stationnement derrière, Taco Craft. Ben c'est ça qui est le fun. C'est vraiment un restaurant ambiance euh, euh, Floride, même si c'est un restaurant mexicain. Tu à Québec, dans le temps qu'il y avait euh, le party de l'Aviatique Club. Oui, l'Aviatique Club. L'Aviatique oui, Club statue, un des plus gros parties à Québec d'ouverture de te oui, Exactement, ça. le lancement de la saison. Bon, bien, eux, eux autres, c'était ouais. exactement ça. Ici, à Cinco Naco de Mayo, qui est la fête okay. du pays du Mexique, Cinco oui. de Mayo. Oui. Donc eux autres du c'est Mexicain, ils ferment, il y a de la musique partout, c'est la foi totale. C'est des méga deals. Hier, la bière était à Saint-Bias. Okay. La bière domestique, tu es à Saint-Bias. Mais c'est pas ce que tu as pris. Margarita, tu es à 7. Ouais. Non, moi, je suis un gars de vodka. Okay, mais le Margarita à 7. à 7 en permanence ou juste. C'était euh, le, mardi. Mardi, le mardi soir. Okay. Ma femme a pris le Margarita. Okay. Vous okay. devriez voir, les bartenders, c'est des vrais bartenders. Okay. Des mixeurs. Des vrais mixeurs, des mixologistes okay. sont et Coeurant. Le non, service ouais. est écœurant, le staff est écœurant. Okay. Je vous le dis, c'est une expérience culinaire, c'est une expérience de drink. Votre margarita avec telle affaire, puis je vous le dis, là, le, il y a un menu de drink, un gros menu de drink, okay. puis il y a un bon menu de tacos, tout ça. Mais okay. le menu de drink est, est aussi gros, sinon plus gros, que le que menu, le menu tout principal coup. tout court de bouffe. Fait que c'est. Euh, Puis c'est. Euh, Taco Aye, donne... Tuesdays. Oh. Fait que si vous êtes ici, mettons, pendant la semaine, hey, on a un mardi où c'est qu'on oui. va à la Taco Tuesdays, oui. au Taco Craft, parce oui. qu'il y a de l'ambiance comme un jeudi, un vendredi soir, un samedi soir. Oui. Oui. C'est festif, oui. c'est le fun, il y a du beau monde, oui. il y a de la musique. Mm -hmm. euh, il y a des petits trompettistes dans le backside, en plus du DJ Mixette Way 2. Ah, oui. Fait que. Ma femme m'a dit hier à Titabarno, je n'aurais pas pu tomber un meilleur restaurant, un monde soir pour avoir de l'ambiance, ouais, tout ça. Ouais, puis à ouais. puis c est c est stationnement facile qu'on a dit en arrière. Partout alentour. Euh, c'est très éclairé, facile, de ton oui. app et tout ça. Puis quand tu es sorti euh, après ton, ton souper, probablement qu'il devait faire 26 à 28 degrés. Ah, Ben oui, c'est ça. <laughs> extra... oh, non, 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 ben non, Arrête. Arrête d'agacer les gens de avec ça. Capoté. On retourne sur la solace. Oui, oui. Euh, il oui. y en a plusieurs qui me parlent des Brazilian Steakhouse. Carl, aime-tu les Brazilian Steakhouse? un des meilleurs downtown Fort Lauderdale, c'est un 9 sur 10, ça s'appelle le Chima. Chima, comment tu l'écris C H I M A. C H I M A, ça s'appelle okay. le Chima okay. Brazilian Steakhouse. Okay. C'est quand vous êtes sur la là juste avant d'arriver sur le pont pour traverser l'intercostale, c'est à votre droite après la station-service, il y a une petite station-service une vraie station-service que le monde mette du gaz avec une pompe encore. Okay. C'est rare. <laughs> Puis si vous avez un flat, un pneu ou un bris mécanique, c'est ouais. une vraie station-service avec des portes. Ah oui! Comme dans les années 50, 60, 70. Okay. Okay, OK, Puis qui donne de l'essence. L'essence, est 20 cents de plus le galon, 20-30 okay. cents de plus le service. Okay. service. Okay. Mais il y a du, pas il du a sang service. Sur, parce que moi, j'habitais là avant. Ouais. Fait que les boys sont encore là. Je, je connais la famille qui a ah, ça. Ouais. Personnellement, mais il mais je a pas de nulle part. il n'y a personne ah, qui Il y a pas de service ici. Exact. Fait que lui, il est tout de suite après. Tout de suite après, station-service à votre droite, allez voir, il y a tout le temps des belles autos, puis il y a un valet parking, vous laissez votre auto là, ne faites pas stationner vous-même. Vous laissez votre auto là, vous rentrez au Chima, le Brazilian Steakhouse Le Chima. C'est le steakhouse brésilien des locaux ici. Okay, C'est un secret que qu je que que vous donne pour les gens qui connaissent Brazilian pas. C'est comme avec les grandes perches puis ils coupent la, la viande. C'est ça, puis vous avez un système de jetons. Donc, quand oui. tu vends encore de la bouffe, tu mets ton jeton une couleur, oui. puis il continue à te donner toujours de la bouffe en avant de toi. Une des Donc, trois viandes. Une ça. des trois viandes qui s'en vient avant de toi, puis c'est genre 50, 60$ par personne l'assiette, mais tu manges pour 300$. Oui. Non, non, c'est capoté. <laughs> c'est capoté. Puis le Brazilian, c'était, vous voyez toute la viande là, brûlée en arrière, là, wow. vous voyez tout ça cuire ça puis bon. tout. Il y en a plusieurs, Brazilian, Steakhouse. Oui. Okay? Même à Fort Lauderdale, il y en a plusieurs. Mm -hmm. Je vous donne un secret là, le chimo. Okay. Le chimo c'est un 9 9 sur 10. Ah ouais. Les locaux ils vont pas aux autres, ils vont au chimo. OK. Toujours sur la, sur la. Toujours parce qu'il y en a des, des brésiliens de partout, en sur Hallandale Beach Boulevard, il y a à Miami à tour de bras. A, moi, je vous parle dans le coin de Fort Lauderdale. Oui. Je, je focus oh oui. le podcast aujourd'hui là-dessus. À un moment donné, on va focusser ailleurs mm -hmm. parce qu'à un moment donné, il faut vous garder du temps pour vous jaser un peu tout ça. Mais oui. là, Chimon moi, extraordinaire. Oui. Vous allez au bout de la rue après ça, un classique qui ont renouvelé leur menu puis tout, Yolo, ils ont oui. les oui. once. Le Yolo a renouvelé leur menu il y a à peu près six mois. Okay. Euh, le YOLO est, euh, est un autre 8,5, 9 sur 10, Quel prix extraordinaire. Euh, Quel bouffe euh, Il y a de tout. C'est okay. American cuisine. Okay. Il y a un bar extérieur. Vous rentrez là, vous laissez votre auto au valet. Ça coûte 7$, ça coûte okay. 10$ avec le pourboire. Cassez-vous pas en tête de stationner votre véhicule. Rentrez en face du YOLO, faites la file. Okay. Puis euh, vous payez. Puis il n'y a pas de problème. Puis allez euh, apprécier allez prendre un drink dehors. Il y a un bar dehors de ça, prenez votre drink jasez. donnez votre réservation si vous voulez manger en dedans ou dehors. Il y a un grand patio au mm -hmm. puis fait manger à l'intérieur du restaurant aussi. Okay. Puis le YOLO, là. Il n'y a personne qui est parti de là qui est déçu. Pourquoi? Parce qu'encore, c'est une ambiance, c'est une ambiance que. Euh, tu te sens d'or, tu manges d'or. Il y a mmh. du beau monde, il y a de la bonne musique. Quelqu'un qui veut vraiment euh, euh, se sortir de la tête du Québec, tu sais, je suis en vacances, je suis avec ma femme, je veux la gâter, je veux mettre d'une ambiance que j'en ai mon argent au bout de la ligne. C'est pas une place pour aller avec des enfants. On s'entend là-dessus, oui. là. C'est euh, vraiment vous habillez, vous habillez beau. Je... Pas super chic, mais vous habillez beau. OK, vous êtes fier. Euh, puis euh, vous arrivez avec votre auto, vous stationnez ça. Même si vous avez une auto-location, c'est pas grave. Les, même si c'est des Mercedes, des BMW, des Rolls Royce, des McLaren, des, des Ferrari, ben Ferrari à potes. On est à côté d'Aston Martin puis Bentley. Mais des conseils de la rue. Ben <laughs> oui, ben oui. Euh, le, le dépouss... ben, la chaîne Holman, ils ont, ils ont toutes les marques. Ils ont même Honda en passant. Pas oh, oui. là. Oui, Absolument. Tout dans fait, le même secteur. C'est ça, ils ont toutes les marques. Mais je vous le dis, ne soyez pas gêné vous arrivez avec votre chose de location, un Chevrolet Cruze, admettons, là, vous, ah ouais. arrivez, vous arrivez là, il n'y a pas de trouble. Allez manger, allez passer une expérience, vous allez dire, « OK, Carl, merci. » On connaissait le YOLO, on ne le connaissait pas, mais le menu du YOLO, c'est ça qui est le fun. Le YOLO, Changer. moi, je l'ai connu à sa première journée d'ouverture. Oh. J'ai déjà fêté des jours de l'an au YOLO. Okay. Et le YOLO, s'est bien renouvelé. Leur menu, c'est bien renouvelé. Je vais vous donner un, in, ceux qui aiment la viande, mm. le tomahawk. Ah oui. Le tomahawk arrive à votre okay. table sur une table. Oui. Ça, la viande. Sur une table, tu veux dire sur un. Un, un, un... un tabouret. OK. Vous êtes assis à votre table, okay. ça arrive sur un tabouret. Oui. Brrr, oui. Avec un triangle et le morceau de viande est suspendu est en suspens. avant de vous. Ah! Il est... le réchauffe avec un chalumeau en avant de vous. Ben voyons. OK, d'après votre cuisson. Votre, votre, votre cuisson, de cuisson. Il le met dans son assiette et il le coupe en avant de vous, puis il le sert sous votre table. <laughs> Je vous le dis, là. L'expérience est extraordinaire, qualité-prix, c'est fantastique. Oh, good. OK? Je, je, est YOLO. Yolo est encore sa game. L'autre bord de la rue, un petit peu avant, ceux qui aiment plus les fruits de mer, il y a le Lobster Bar, okay. qui est un restaurant high-class, okay. qui est un autre 9 sur 10. Qui aiment... Lui, il est pas loin du petit canal. Il est au coin, il est au coin... Non, il est, donc... au coin rue, il est au coin de la est au coin de rue juste avant à gauche, okay. le Lobster Bar Martin puis c'est plus super un peu, faut okay. savez, un petit peu plus propre. Je dirais okay. c'est plus super. Vous allez comprendre, okay. c'est un ancien steakhouse qui était là, qui était Jackson Steakhouse que virait en Lobster Bar. Okay. Puis c'est euh, c'est bon. Là, ah les, oui. Ceux qui aiment les huîtres. Oui. Les huîtres, c'est des spécialistes d'huîtres. Okay. Euh, champagne, huîtres. Tu sais, vous voyez un petit oh, peu oui, le style. Oui, Yolo, t'as pas ça. Non. Là, tu ça là-dedans, puis il se démarque bien là-dedans. Fruits de matière Yolo, ça. Le tomahawk m'intéresse pas mal. Là. Non, non, là, 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 je te jure, tu scores fort oui. avec ta femme dans ce temps-là. <laughs> puis, Il y a beaucoup de viande. Là. Ouais. Fait que j'ai parlé du Tommy Bahama, j'ai parlé oui. du YOLO, j'ai oui. parlé du Shima. Oui. Je vous ai donné en bonus. Je vous ai donné en bonus le Taco Craft qui est juste au nord de la Solace, Oui. OK, qui est à l'est, qui est, qui est à peu près en auto, là, vous vous à la lumière de Broward. Puis c'est à peu près un quart de mille à votre droite. Le okay. Taco Craft est vraiment sur le bord de la US One. Okay. C'est pas loin sûr de la je vais y aller. À la je prochaine se... fois qu'on va se parler, c'est sûr que je vais y être allé. Bon, parfait. Okay. Dans le coin de commercial, dans le coin de Pompano, oui. il y a un restaurant que moi, je vais, euh, je, je vois depuis son ouverture euh, régulièrement parce que. Puis je mange pas à l'intérieur. Moi, j'aime manger quand il y a une belle terrasse, un beau bar, des beaux bartenders, gros... j'étais un gars qui mange avec ma femme au bar. Okay. Okay. J'aime me faire servir tout de suite. J'aime hein? pas être assis à une table dans un bout. Beau écrasé dans le fond d'un restaurant. Ouais. Moi, j'aime ça être dans l'action. Je suis assis au bar, je me fais servir tout de suite, j'ai mm. mes drinks, je vois l'action qui se passe au bar, ouais. je, je vois, vois les bonnes affaires, j'ai toujours fait ça. Et j'adore, j'adore oui. cette, oui. cette ambiance-là. À moins que je sois avec beaucoup d'amis, donc ça nous prenne une belle table. Ouais, ça, je comprends ça. Mais quand je suis seul avec ma femme, mm. je vais au bar. Mais beaucoup de monde font ça. Beaucoup de monde font mm. ça, le ouais. monde se parle au bar, le, le monde est friendly, ouais. euh, on n'est pas gêné, on jase, mm. on a du mm. fun, tout ça. Il y a un restaurant qui s'appelle le Calouse. Oh. K-A-L- U Z le, le Calouse, ça c'est sur le bord de l'intercostal, c'est fantastique. Quel débris American cuisine encore, il y a beaucoup de... C'est sur le à bord de Pompano. À Pompano, sur le bord de commercial, le monde stationne avec des bateaux, ah. des gros bateaux sur le bord. Ah, okay, okay, Puis okay, okay. ils mangent au Calouse. L'autre okay. bar c'est le Bayimo là, oui. les... les Japonais coupent les affaires ah, oui. J'en parlerai pas. Okay. L'autre côté c'est euh, c'est Blue Moon Fish, Cafe, euh, Fish Company. Okay. Donc, qui est l'opposé, l'autre bord du canal, transversalement, tu as le Blue Moon euh, euh, Fish Company, qui est l'équivalent du calouse, mm -hmm. mais plus des fruits de mer, des poissons, tout ça. Okay. Moi, c'est n'est pas mon style de bouffe. Ma femme adore ça, oui. pas moi. Mais le calouse, je vous le dis, c'est une ambiance, encore une fois. Ambiance, le, allez, allez manger dehors, à moins que vous ayez avec vos enfants, vous avez besoin d'une table, un bout de ça, en dedans, c'est correct. Mais si vous allez dehors, vous êtes bien habillé, une petite chemise, beau pantalon, des ouais. petits loafers, ou vous êtes en sandales, wow. puis vous la de l'ambiance, vous n'êtes pas pressé de manger, vous prenez un drink ou deux, vous rencontrez du monde là, il y a du beau monde, Calouse est un 9 sur 10. OK? Calouse, c'est un 9 sur 10, ça se okay. corde extrêmement fort. Il y a des Québécois qui le savent, qui habitent dans ce coin-là, oui. puis ils connaissent le Calouse. Oui. Puis euh, ils vont, ils vont dire oh, Oui, Carl a raison, oui. s'ils si, nous écoutent, ils vont dire Oui, oh, oui, ok, je oh, oui. oui, il a raison. C'est pas nos secrets. Ben, c'est des petits secrets, ça. Okay. Okay, Mais quand, monde tu le quand tu cotes, c'est pas la qualité de la nourriture, c'est le rapport qualité-prix total. Toujours. Exact. L'expérience que tu as. Parce que moi, je prends toujours le Québécois qui est euh, dans une météo ordinaire, dans un temps ordinaire, qui s'en vient justement en Floride pour se dépiser mm -hmm. puis d'avoir un sourire mm -hmm. sur le visage, puis mm -hmm. de voir quelque chose qui est une expérience, une expérience immersive. Immersive, ouais. ça veut dire quoi? Le soleil, tu sors à travers les orteils, euh, euh, <laughs> la belle météo, de la chaleur, l'humidité, tu t'habilles ouais. un peu chaud, j'ai chaud, c'est pas grave, mais suis le front, tout ça. Euh, Je mange les cocktails, les, les, les bartenders sont oh. fins. Oh, les ouais. bartenders sont fins, tu vois des cocktails, des beaux cocktails plein de couleurs, puis tu vois que c'est fait de qualité. C'est des vrais mixologistes ouais. qui viennent. Tu vient, si tu es au bar, ah. tu les vois travailler. Tu les vois travailler, puis tu vois tout de suite le bartender, tu sais, au yolo, là. Il n'y a pas de pas bar bartender qui travaille là. Parce qu'ils ont tellement de volume, ils ont tellement du monde, ils sont obligés de performer. Okay. Au Big City Tavern, c'est pareil. Tu vas au tachographe, okay. les gars de la façon qu'ils sont formés, Martin, là, ouais. tu vois ouais. que c'est des vrais mixologists. Là. La liste qu'il y a là, de tableaux au mur, puis qu'est-ce qu'ils te donnent. Juste de savoir ça, Tabarno, ça prend quasiment un MBA tu sais, en mixology. Puis les gars, c'est la recette parfaite, puis ah, une ouais. telle sorte de tequila qui va mieux que ce drink-là. Ils sont pis, fiers. Ils vont prendre. Regarde c'est pas compliqué c'est un métier ouais. c'est un métier d'être un, un, un bartender ouais. fait que les endroits que je vous envoie là, à 95% c'est des gens que c'est un métier c'est des gens qui ont de l'expérience parce que des gens qui n'ont pas d'expérience de peuvent pas travailler dans ces endroits là ok parce que ça roule tellement vite il y a ouais. tellement d'argent il y a tellement du monde puis il y a volumes. tellement des bons clients des ouais. bons clients ils veulent pas les perdre ils ne veulent pas perdre ces bons clients là fait ouais. qu'ils donnent du service ici puis vous savez ne calculent pas à boisson là ici là. C'est pas un once, deux onces d'un verre. Non, non, non. Vous prenez un grand verre comme un bac de bière, puis ouais. tu disais Mettons, je veux une vodka euh, avec du pineapple juice ou du ouais. cranberry juice, n'importe quoi Ils mettent de verre, puis ils mettent la vodka dedans, puis ils te regardent. Puis il met un once, deux onces trois onces puis il virent la bouteille, et la vodka est pleine au milieu, puis après ça, il met le cranberry ou, oh, il, ou le jus verre tout Puis, euh, il, il charge 10 12 pour le verre au complet. Ce n'est ah. pas à l'once, si vous le savez. Okay. Fait que faites attention. Oui. « Faites-vous servir régulièrement un verre d'eau. » On oui, décide. Dans dit, « Je vais avoir un verre d'eau et de la glace tout le temps à côté. » Mixez les deux, parce mm. que vous allez voir que l'impact du Québec versus boisson versus Floride, mm. puis il y a de la chaleur ici, puis tout, ah ouais. ça peut frapper, ça peut vous rentrer dans facilement. Mais même quand, même quand tu prends du vin, là, régulièrement, de boire de l'eau... Mais ici, ne calcule pas, pêle. là. Si ouais. tu un verre de 6 ans ou un verre de 8 ans Si tu prends un grand verre, une grande coupe qui suit, il te remplit le verre de vin, de la okay, beau, pouf, il la à l'œil, ok, c'est beau, pauvre, il de ça. Il y a des places faut que tu demandes un double pour avoir deux fois, mettons, une once ou whatever, mais ici, calcul, jamais. au jamais. verre. Jamais, ouais. jamais, 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 jamais. Ici, ici, ça n'existe pas. c'est une façon pour eux autres de. de c'est une appréciation ils se sentent chanceux que tu aies choisi son restaurant, que ouais. tu viens l'encourager, puis ça va, ils sont pour boire à lui. Ouais. Puis à un moment donné, il pour pas, puis vous donnez... Euh, si le gars, il n'a pas calculé le nombre d'onces, puis le gars a calculé ça, arrivez moi pas, puis vous avez la facture, puis vous regardez, puis là, vous sortez votre calculatrice, puis le ouais. pourcentage va donner 8 10 peut-être un 15. Bien, quand que le gars n'a pas calculé la boisson, puis souvent, il va passer un ou deux verres en boisson, free, bien, vous donnez le 20 au gars. Là. Ben oui. Ben, de toute façon, les options, c'est quoi? 18, 20, 23, quelque chose comme c ça? C'est euh, euh, 18, 20, 22. OK. 18, 20, 22. Moi, quand je vois quelqu'un qui me donnait un service extraordinaire, euh, un service extraordinaire, j'ai bon, vu qu'il qu n'a pas calculé, qu'il pas calculé sa boisson ou n'importe quoi, et je qu aucun problème de donner 22, 25 de pourboire. OK. J ai, j ai, je te le dis, Martin. Là, Mais tu le gangs de toute façon. Ben, C'est parce qu'il m'a déjà sauvé 20-30$ à la facture. Oui, exact. Comment je donnerais un 5 de plus ouais. sur le pourboire? Au lieu de donner 20 à 18%, je donne 25, il m'a coûté mon 5$. Ouais. Il m'a déjà fait sauver 20-25-30$. Exact. Si tu fais ça avec le serveur, puis tu y retournes, I. il te reconnaît. <laughs> oui. Il te reconnaît. Tout à fait. C'est automatique. Ouais. Hey, bonjour, Mais comment aussi. ça va? L'inverse aussi. Oui, l'inverse aussi. Oui. Si tu étais un cheap, puis tu l'as mal servi ou n'importe quoi, Bien, il ne te donnera pas de cadeau, puis il ne sera pas de ton bord, puis tu ne le mettras pas. Vous pourriez, être... Vous pourriez être surpris comment est-ce que les visages ils reconnaissent. Ah ouais. Surpris comment mais, ils reconnaissent mais, mais les visages. Mais je suis visages? pas surpris de ce que tu expliques. Je suis pas surpris. Ah, moi, tu ne calcules fait... pas les, les onces. Ah, non, moi, moi, ça fait 20 ans ici. C'est pour ça que toutes les fois, je retourne au Québec, puis maintenant je sortais quelque part, puis je voyais comment avec la petite affaire, puis je calcule l'once, puis il tu... faut que tu prennes divers euh, avant d'avoir un boss, n'importe quoi. Ça m'insulte tout le temps. Oui. Mais ça, c'est ça. c'est un trade. transplant ici. Moi, ça fait, ouais. ça fait 20 ans que tu t'habitues avec ça. C'est pour ça que je monte tout le temps un verre d'autre côté. Je fais mes affaires puis je, je m'organise. Bon. Fait que j'ai parlé du chimon j'ai parlé du YOLO, ouais. j'ai parlé du Tommy Bama, j'ai parlé du Calou, j'ai parlé du euh, Blue Moon Fish Café, j'ai parlé du Taco Craft. Ouais. Rappelez-vous de ça. Prenez des notes là-dessus. Ouais. C'est mes coups de cœur dans le coin de Fort Lauderdale. Je pourrais vous en donner d'autres. Dans d'autres podcasts éventuellement, je vais en donner d'autres. Parce que là, en ce moment, Martin, sur l'Asolas. Oui il y a un « boom ». Puis quand je te dis un « boom », c'est dans les cinq dernières années, il y a eu un rafraîchissement de la rue au complet. Là, tu parles toujours des restaurants. Je parle de les restaurants, toutes les constructions autour. Tout à l'entour, je te dis, depuis cinq ans, il y a eu un « boom ». Euh, il y a un nouveau restaurant euh, euh, mexicain qui s'appelle El Camino, qui est une chaîne, mais c'est une belle chaîne, El okay. Camino. Quel prix c'est bon. Il y a Tocos Racos que tout le monde connaît. Il y a le fameux Louis Bossy que tout le monde oui. connaît. Louis Bossy, c'est le chef du Big City Tavern, que je vous ai déjà parlé, oui. qui a ouvert le brand Louis Bossy. Bien, en face du Louis Bossy, ils viennent de mettre la bâtisse qui est là avec des boutiques à terre, puis il va se construire un hôtel en face du Louis Bossy. Okay. Un, un hôtel? Un boutique hôtel. OK, Un hôtel boutique. Oui, ouais. mais, mais une belle hôtel. Oh, oui, Mais c'est sous la solace encore. Là. Ouais. Ça va monter. Ce n'est pas en hauteur actuellement, ça va l'être. Non, tout est rasé puis ça va monter. OK. Fait, quand mais je Louis dis, Bossy, ça... si tu vas chez Louis Bossy, est-ce que tu manges? près de la terrasse la ter... sur les chaises qui sont très 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 basses là où est-ce que tu es plus un lounge Tu parles de que... terrasse en arrière ter... dans cour Non, ana... celle d'en avant. OK, mais est-ce que tu sais qu'une terrasse oui, en je... cour en fait, je ne le savais pas, un peu, c'est pas toi qui me l'as annoncé dans un des podcasts, mais je t'avais par hasard dans ce stationnement là c'est par la suite que toi, tu m'as dit que c'était la cour arrière oui, du louis Oui, c'est parce que Mais tu, oui, tu rentres par en arrière, tu oui. stationnes là où tu donnes à ton valet parking qui stationne dans oui. le stationnement public en arrière. Oui. Tu oui. rentres par en arrière à oui. travers le patio, justement. Oui. En arrière qui, euh, qui est le petit lounge, puis après ça, tu rentres au bord. Moi, je rentre jamais par la porte d'en avant. oui bah si je rentre tout le temps par en arrière parce que je stationne mon auto. Okay. Parce qu'il n'y a pas de place en avant pour stationner. Non, je te stationné au bord en arrière. De l'eau bord. Oui. Okay. J'aime ça, ça, oui, oui. ça marcher la solace. Oui, euh, j'aime ça marcher la solace. Mais c'est ça qui est le fun. C'est que, écoute, moi je suis arrivé là en 2004. Fait que moi, la solace, c'est le backyard chez nous. Là. Fait que oui. j'ai à peu près tout connu qui est là. Aujourd'hui, moi et ma femme, Valérie, on a fait, on l'a marché un bon bout, puis on a fait tu vois-tu comment est-ce que c'est vivant, ça bouge? Il y a, ouais. un, il y a un Korean barbecue euh, qui, qui est une place d'un ancien restaurant qu'on allait régulièrement, euh, qui vient de venir au monde. en a plusieurs. Je vais vous amener d'autres coups de cœur. Je vais les essayer moi-même, je vais ouais. les coter moi-même, je vais ouais. vous dire euh, euh, qualité-prix, ça vaut la peine d'y aller. Okay. J'en ai donné quatre, ouais. cinq. Je pense que quelqu'un qui passe un deux semaines ici, un deux, trois semaines, euh, s'il va sur la solace deux trois fois, je pense qu'il pense avec mes choix, là, il va dire hey, Merci Carl, c'est une réussite. Euh, ouais, Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Tu ne que, que tu peux, tu peux pas te tromper quel tes prix. Puis je vais vous dire, sur la solace, il n'y a, euh, a pas de y bien pas de On mange bien, quel tes prix est là. c'est pas Miami. Miami, beaucoup plus cher. Ah oui. Oh, Miami, c'est 30-40 plus cher hein? que, que Fort Lauderdale. Ah ouais. oh, oui, oh, oui, oui. dans les cocktails, oui, ça change. Je vous le dis, là, si vous allez à Miami, ouais. préparez-vous. Ouais. OK? Fort Lauderdale est moins cher. Euh, euh, Fort Lauderdale, Et... caraton, est ouais. moins cher. Okay. Puis euh, Palm Beach, correct. Après ça, Jupiter, puis après ça, ça tombe dans le moins cher, pour saint en mon temps tout ça. Okay. Fait que. Soleil. Oui. Parce que là, on tombe d'une grosse période. Oui. Euh, une, une, moi, moi c'est une, une période super, Martin. Ouais. Moi, Martin, c'est une période. Il y a des activités. Je veux juste aller en rafale. Oui. Puis moi, je oui. vais rentrer. Je vais rentrer dans les détails. Il y a du monde qui arrive avec des familles. Oui. Un monde qui arrive avec une famille à un moment oui. donné, l'été, hey, c'est quoi que je fais? Vous savez, les Airboat Rides. là. C'est oui. là qu'on va voir des alligators. Allez voir le app. Il y a plein airboat Rides. Okay? Oui. Ça va trippant, à peine d'aller voir ça. Les enfants vont capoter. Alligators, hippopotames, euh, bon. les expositions à la fin, ou est-ce que. Pas les expositions, mais qui donnent des espèces de shows avec les serpents. C'est sûr. C'est trippant. Mais ça tu peux pas pas juste faire un Airboat Rides. Oui. C'est une ride d'une heure ou deux, puis vous payez, vous mettez la famille là-dessus. Ça, il n'y a, a pas de problème. Les gens qui sont dans le coin de Tampa, il y a un aquarium, ça s'appelle Florida euh, Aquarium à Tampa. Il y a 14 000 poissons. Il y a 500 différentes ex espèces. Wow. Il y a... Euh, euh, il y a trois... 3... Scène, en tout cas trois méga aquariums. Il y a un théâtre, je vais dire pas un théâtre IMAX, mais c'est un théâtre 4D. Okay. Donc, tu as des expériences. 4D, ça veut dire que tu as du vent, tu as de l'eau, tu as dans le visage. Okay. Quand tu regardes un film, il explique. Euh, <laughs> Puis, tu as un genre de meet and greet. Ça veut dire quoi un meet and greet? Ça veut dire que tu ouais, rencontres une espèce. C'est des pingouins. Fait qu'ils te font rencontrer des pingouins en personne. Okay. Tu peux quasiment te aux pingouins, ben, leur donner à voyons. manger, tout ça. Je suis en Afrique que tu ne vois jamais. Je veux dire, ouais. rencontrer des petits pingouins. Là, ouais. Fait que moi, dans mon livre, à moi, des It pingouins, ça right. vient où, ça vient de l'Antarctique, en tout cas, c'est 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 33 pièces par personne. Okay. fait que le monde dit hey, qu'est-ce que je fais? Parce que je ne rentrais pas dans l'impact. Le Universal, le Walt Disney, ouais. ces affaires-là. Tout le monde MGM, connaît ça, Orlando, ouais. ouais, ouais. MGM, toute la gang, tout le monde connaît ça. Je vous donne des activités un peu différentes. Airboat rides. Vous devez faire ça avec vos enfants. Vous cherchez quoi faire? Ça, c est c est un à Floride. Aller à l'aquarium, oui. puis que les enfants touchent avec des pingouins, tout ça. Puis aller voir toutes les espèces, les requins que d'un gros aquarium que vous voyez, tout ça. Oui. C'est écœurant. Oui. Après ça, hey, euh, j'aimerais ça aller voir de l'eau, de l'eau, des glissades d'eau, tout ça. Oui. Rapids oui. à Palm Beach. Ok. Il y a, à Palm Beach. On il le a, voit il sur la 95. Un, oui. Ici, à gauche, oui. il y a un méga enfant qui s'appelle Rapids. C'est un parc aquatique qui est extraordinaire. Oui. Ils sont super bien organisés, puis c'est une maudite ball Moi, je vois là encore une fois par année, à Rapids. Même avec mes boys, ils sont plus vieux. Hey les boys, ils va dessus à Rapids. Ouais, OK, bon, on va rire. OK, on s'en va à Rapids. Après ça, après ça, il y a. Si vous voulez aller un peu plus dans le high end, si vous voulez faire vraiment une expérience unique, tu t'en vas dans le coin de Kissimmee, Orlando. Il y a un endroit qui s'appelle Discovery Cove. Allez voir ça. Discovery Cove. OK. Discovery Cove, c'est exemple un, 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 un genre de Sea Aquarium, un sea World, mais seulement réservé pour 400 500 personnes par jour. Il Donc, limite la quantité, il quantité. Limite la quantité. Ça coûte un petit peu plus cher. Okay. Vous nagez avec les dauphins. Oh! Vous pouvez faire de la plongée en apnique des requins. Oh. Vous avez de tout. C'est vraiment un service VIP dans un pack d'attractions. À un genre de je vais dire un genre de Seaquarium parce que vous me comprenez là ouais. ok fait que l'expérience avec les dauphins l'expérience avec les requins l'expérience avec des poissons exotiques ouais. vous avez tout ça là-bas c'est une Cove. Discovery Cove c'est une expérience immersive ok un peu plus cher parce qu'il y a beaucoup moins de monde c'est ça il limite. moins de volume ils limitent ils ont voulu se démarquer d'un Sequarium. ils ont voulu se démarquer d'un ouais. hum. aquarium ou n'importe quoi ouais. c'est c'est un parc aquatique avec des on peut dire des mammifères ou whatever là. Mm -hmm. Puis, Aller là, ils ont il y en a, tu peux même payer jusqu'à 2 000, 500 par jour. Puis oh. tu as un service VIP de A à Z. Ils okay. te fournissent la bouffe, ouais. toutes les drinks. Ouais. Tu nages avec les requins, tu nages avec les dauphins. Tu, tu fais tout. Ils viennent te chercher. Tu as un guide pour toi tout seul okay. qui fait le tour puis il te fait essayer toutes les activités possibles et inimaginables okay. de façon immersive. Ouais. Ça s'appelle Discovery Cove. Allez voir ça. C'est à pas manquer. Euh, Là-dessus, on va euh, surprendre la va prochaine fois. On va te surprendre <laughs> la prochaine fois. Je ne te, parle, te parlerai pas de le euh, meilleur endroit que pour aller voir des concerts. C'est à Palm Beach. Oui. Ça s'appelle le High Think Financial Amphitheater. C'est le plus bel endroit pour aller voir des spectacles en plein air dans l'État de la Floride. Partout. C'est à, confondu, Palm, c est, c est, là, à Palm Beach. C'est à Palm Beach. Ça s'appelle le High Think Financial Theater. Okay. Puis je finis là-dessus, Martin, oui. pour, vous donner, pour vous donner une idée. Là. OK? Oui. oui. Le 9 mai, il y a Chris Tippleton. Le 10, oh, il y a Osier. Contraire. Le 24-25 mai, il y a Dave Matthews-Benn. Wow. Le 18 juin, il y a Red Hot Chili Peppers. Le 20 juin, il y a Lannis Morissette. Le 13 oui. juillet, il y a Sammy Hager. Le 19, il y a Foreigner Sticks. Le 23, il y a 30 Seconds to Mars. Puis, tabarnouche, le, le 12 septembre, il y a Luke Bryant. Ça, oh. c'est ceux qui sont annoncés, bookés, réglés. Moi, j'ai été là au moins six fois dans ma vie. Okay. Je vous le dis, là. C'est comme une cuve okay. en gazon avec des sièges dans le bas, mais le haut, c'est un gazon. OK. Et le stage est en avant, en bas. C'est le principe d'agora, là. Plus, le stage est plus bas que là où tu arrives. Exactement. Exact. Sauf que c'est agora multiplié 100 fois, 1000 fois mieux. Oui. 100 000 fois mieux. Alors, je, tu non, tu je suis le Je style agora. Pas, je parle pas d'agora. J'ai compris. Que... Exactement. Hey, je fais une farce. C'est 100 000 fois mieux. La ouais. température est extraordinaire. Wow. C'est pas compliqué. Je vous ai nommé juste des gens qui vont là. Tous les artistes mm -hmm. vont tous là. Okay. Ils adorent le concept. Okay. C'est super bien fait. C'est pas loin de l'aéroport de Palm Beach. Okay. Okay, C'est d'un champ comme ça en arrière. Ouais. C'est hyper bien organisé. Allez voir ça, le Amphitheater à Palm Beach. Allez voir l'horaire des spectacles. Mmh. Si vous descendez pendant l'été ou n'importe quoi, puis, hey, on aimerait ça avoir un show. Mmh. Les prix des billets sont raisonnables. Vous devez aller là. Moi, déjà, j'ai deux spectacles que je vais aller voir cet été-là okay. avec ma femme. Bon. Ça fait déjà cinq, six fois que je vais. Là-dessus, tu vas nous faire un, un topo. Je vais faire, faire un wrap-up. Puis quand on va revenir des podcasts, tout ça, oui. parce que l'on qu est après quest ce qu'on va faire cet été, ça se peut qu'on arrête à un moment donné parce que quelques pis, semaines. De mais c'est ça, exactement. On a le droit d'avoir des vacances. To... Pis dans mon autre podcast, c'est pareil aussi. Okay. Okay. Sauf que de l'autre côté, c'est que je me remplis d'expérience. Oui pour vous arriver justement tu avec des critiques, ça, oui. partager, vous arrivez avec des trucs pour la gang de Snowbird qui va arriver octobre, novembre, décembre l'an prochain. Hey, on est privilégié, Carl Sanson. Merci infiniment à toi, Carl. Ça fait plaisir. C'est vraiment, vraiment, honnêtement un privilège. Merci de à fait. François Forget de Caméléon Productions. Nous sommes à Fort Lauderdale et c'était l'épisode numéro 15 de la Florida, le podcast. See you. Bye.